Re-salut à tous les fans de Vitesse pour une deuxième game d'AP Icoria. Hein, voilà, donc encore une fois, je teste le format, dites-moi si vous aimez bien, Inch'Allah, vous avez vu la première. Cette game-là, je l'ai choisie parce que j'ai envie de vous montrer le deck que j'ai build, parce qu'il est gigaphone et que je pense qu'il plaira à tous les fans de contrôle hein, parmi vous. Parce que vraiment, c'est le deck d'AP. Peut-être pas le plus rigolo, mais c'est un bon deck d'AP. Donc déjà, vous pouvez voir quoi? Vous pouvez voir que j'ai Lutri en compagnon. Vous pouvez voir que je joue bleu-noir. Et que je joue Splash Rouge. Oui, Splash Rouge, mais avec du double rouge. Parce que je suis un petit filou. Et que je me dis, putain, mais si jamais j'arrive à copier Clash of Titans avec Lutri, c'est vraiment trop fort. Pourquoi? Parce que Clash of Titans, ça fait deux créatures se fight. Mais c'est pas forcément une créature que vous contrôlez, une créature que vous contrôlez pas. C'est deux créatures qui se fight. Donc vous pouvez faire fight deux créatures adversaires. Alors juste à titre indicatif, hein, je reviens un peu en arrière. Hop. Une carte à deux absolument boostée, hein, directement punie par Easy Prey. Voilà, hein, pour les médisants de la vidéo Limited Spoiler. Les capacités de cette carte, qui moi je trouve sont très fortes, hein, parce que bon, ça, si jamais c'était pas géré, c'était très très vite insupportable. Donc, boum, instantanément géré, hop, on pioche un autre removal parce que vraiment on adore les removals. Vous allez voir, mon deck, c'est une merveille. Voilà, machin, il est là, il fait des rampes. Là, j'hésite à gérer cette carte parce que j'ai quand même deux manières différentes de gérer, je me dis que non. Je vais le laisser ramper, ça me fait pas peur. J'utiliserai mes cartes qui tuent pour justement gérer les cartes dans lesquelles il rampera. Donc là, pour l'instant, tranquillou. Je crois que sur cette phase d'attaque, il m'attaque même pas parce qu'il a peur de mes manas désengagées. Donc je suis content, j'économise 2 PV exclusivement grâce au pouvoir du mind game. Donc là, hop, on chope la première montagne. Ouais, je crois que je joue. 4 montagnes et une immensité terramorphe, donc ça va quand même, mais je suis pas fou. Et surtout, je joue beaucoup de pioches et beaucoup de cycles, comme tout bon jeu contrôle qui se respecte. Donc là, mon adversaire décide de faire double rampe fin de mon tour, ce qui est ok, pourquoi pas. Ça fait qu'il a quand même beaucoup de mana pour un tour 4, mais ça ne me fait pas peur, parce que j'ai full remover en main. Voilà. Ah bah c'est mon mot du passé qui montre les removals là. Pour vous, c'est vraiment génial. Voilà, mon adversaire qui est lent, hein. Toujours. Oui, et vous pouvez voir aussi Shark Typhoon, qui est un peu ma win condition. Hein. Voilà. Autre win condition, c'est le Phénix Rouge, parce que ça aussi. Alors, voilà. Alors là, par contre, ça T4, je vais pas mentir, j'ai eu très très peur. Heureusement que c'est ciao pour 2. Le mec a payé 8 et moi j'ai fait pour 2. C'est ciao. Donc là j'étais déjà très content des capacités de mon deck. Et pareil, je continue à passer. J'attends qu'il déploie toutes ses menaces et moi je me contenterai. Donc voilà, on est quand même sur un adversaire qui fait rare dans rare. Hein. Enfin bon inco, dans rare, apparemment. Le mec ne sait pas que les communes ça existe, mais soit, je l'en veux pas, moi j'ai fait beaucoup de removal. Donc en plus, ça c'est une carte qui lui permet de remonter le putain de bâtard de merde, le 2-3, que j'avais tué au début. Et derrière, il fait une deuxième bête, donc vraiment il s'acharne. Moi je fais un petit crabe fin de tour, voilà, parce qu'on va pas quand même gaspiller du mana. Là pareil, j'attends. En fonction, je ferai Mutual Destruction, Mystic Subdual ou Adaptive Chimter. Avec le recul, je me disais que peut-être il aurait fallu que je mette l'enchantement sur le Durus pour l'empêcher de faire revenir ça. Mais bon, sur le coup, j'y ai pas pensé. Et puis j'aimais bien l'idée d'avoir 5 mana up, ça fait plus peur quand même en général. Donc là, mon adversaire, il commence à s'exciter. Et là, du coup. C'est le moment où je vais l'épiner, parce que on me la fait pas à moi comme ça. D'ailleurs, regardez, hop, toi tu vas fight ton pote,
Hop là, et ça c'est ciao. Donc ça c'est du solide 2 points. Ah oui, c'est pas Imosita. Ah, je sais pas. C'est Evolving Wild des cartes que je disais, Imosita. J'étais pas sûr du nom. Voilà, bon bah, je la pose. Je crois que je la fetch direct parce que j'aime pas attendre fin de tour. Enfin, en général, ça a entre peu et pas d'importance. Voilà, et je continue de passer tranquille. On est là, là je contemple l'idée de faire un shark. Bon, un shark 3-3, c'est pas ouf. Enfin, voilà, on attend. Alors là, back for more, ça commence doucement à me gonfler. Que mon adversaire joue, tue ses cartes et il les remonte. Surtout quand c'est des grosses cartes, quoi. Mais très bien. Heureusement, je suis un très puissant joueur. Là, il me dit que tu fight. Non, non, non. Écoute-moi bien, Michel. Et là, vous allez voir un play. Ah, oh, mais une merveille en bouche. Vraiment. Un Magic at its finest. Et là, vous voyez, avant de résolve, là, hop, Lutri qui va aller copier le sort. Oh. Mais là, en fait, je lis pour être sûr que ça marche. Et d'ailleurs, au moment où je lance le spell, je pensais qu'il allait falloir que je sacrifie Lutri. Et quand je me rends compte que j'ai même pas besoin de sacrifier Lutri, je suis trop content. Voilà, mon adversaire qui drop le petit nice. Hein, on peut dire que je l'ai piné. Vraiment, pour 4, je vais manger 12 mana, quoi. Enfin, et là, je me dis, ah, oh, c'est le moment. Vas-y, on va slammer Shark Typhon. Et de là, on va attendre tranquillement. Alors, mon adversaire, bon, voilà, il se laisse pas faire. Il enlève des cartes de mon cimetière pour faire des 1-1, là, je crois. Mais bon, il sent que le vent a tourné. Et qu'il y a une tornade qui se lève. Ah oui, ça j'ai oublié. J'avais oublié ça. Ce fils de pute, qu'est-ce qu'il a? Il a aussi Snap Dax. Donc la carte que je splashais dans le deck d'avant. Heureusement, le petit top deck Capture Sphere. Alors, en vrai, c'est un top deck, mais j'aurais pioché. Enfin, j'aurais juste joué l'autre enchantement. Sinon. Mais celui-là est quand même mieux. Notamment parce qu'il me permet de dropper un puissant 4-4 vol. Grâce à la tornade, donc là j'attends qu'ils me disent ah là là j'attaque, et puis quand il attaque, hop là le Apex Predator. Ouais, donc pareil, hein, le mec m'a fait que des incos, des rares et des mythiques. Je crois pas, enfin faudrait que je. Enfin, j'ai pas fait gaffe, mais en tout cas il m'a pas fait beaucoup de communes quoi. Enfin, j'ai quand même la pression quoi. Heureusement que mon deck est extrêmement bien build et que à chaque menace j'ai une réponse. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai ce super t-shirt. Je pense que c'est le meilleur t-shirt pour faire les appels limités. Ah oui, voilà, regardez. Je crois que c'est le moment où du coup je m'énerve. Je dis, mais putain, mais quand même, il m'a fait que. Ah voilà une commune. Attends, mais du coup, on va revoir le moment où je regarde son cimetière. Voir combien il y a de communes. Attends, je les passe. Ah voilà. Ah ouais, il y a une commune. C'est ça là. Ça c'est un coup. Ah mais ça non, ça c'est peut-être une commune. Bah enfin, bref. Vraiment, voilà quoi. Mec, il a pas le temps. Hein. Bon, ça, heureusement, c'est une carte de merde. Enfin, voilà, on est bien, on continue d'attaquer avec le 4-4. Enfin, on attaque le 4-4 vol, et puis l'objectif c'est de lui gratter tous ses PV comme ça. On va être bien. Donc oui, je disais, t-shirt limited spoiler pour faire les AP, c'est vraiment prodigieux quoi. On se sent gamer à balle. Donc voilà, lui il exile ses crottes pour faire. Il exile ses crottes pour faire des 1-1, c'est super. Et il met 10 ans à jouer aussi. Enfin, je veux dire. T'as deux cartes en main, hein. Commence pas à nous la faire, genre tu peux faire plein de trucs. Et donc là, oh là là, quel plaisir d'avoir regardé cette 3-3 flash. Pareil, cette 3-3 flash qui. On en a beaucoup mal. Enfin, genre, les gens ont essayé de comparer cette carte à un œuf tout pourri. Non, 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 cette 3-3 flash, c'est une bonne carte. En draft, je sais pas, parce qu'en draft, ça va peut-être un peu plus vite. Mais alors en limité, je peux vous dire que. Enfin, en scellé, je peux vous dire que vu que c'est un peu mou, sortir la 3-3 flash pour manger des bêtes là, comme ça en mode. C'est très puissant. Donc là, il est content, il fait des 1 parce que sa bête elle va mourir.
Mais trop bien ce deck. Vraiment, quel plaisir à jouer. Et là, vous voyez, oh, un autre removal au cas où ça se goupille mal. Donc vraiment, j'ai le jeu. Oh là là, il déroule. Il déroule un max. Vas-y. Bien sûr, tant que mon adversaire. Ah oui, voilà. Parce que oui, dans mon jeu Turbo Flash, j'ai ça aussi. Et là, ça, on est très content. Donc ça fait quoi? Ça fait que vous jouez un sort avec le flash, votre adversaire prend 1, vous piochez une carte. Donc plutôt pas mal. Bon, du coup c'est dommage que j'ai joué mes capture flash et mes adaptative shimmer aussitôt. Mais j'ai toujours l'enchantement, le Mystic Subdual, qui pourra me faire piocher une carte à tout moment. Pareil, hop, encore un petit removal qu'on garde sur le teco. Et on prend son temps. On attaque tranquillement avec le 4-4 vol. Et là, quand même, ça sent vraiment pas bon pour notre adversaire. Hein. Donc là, il va tuer mon sang. Alors, je crois que je le laisse résoudre. Je me souviens plus ce que je fais. Ouais, voilà. Si je fais ça en réponse, parce que j'ai envie de piocher une carte, et que je me dis. Alors, peut-être faire une petite pause pour expliquer. En gros, ça a comme effet, quand ça mutate, tu mets 4 à une bête, tu gagnes 4. Et je me dis, sa seule out. C'est vraiment exclusivement de faire ça et de mettre 4 sur ma bête et gagner 4 et puis après peut-être il fait des trucs tu vois. Donc je me suis dit, même si c'est un peu relou de faire deux fois un removal sur la même bête, au moins je pense que ça m'assure la win vu que j'ai un peu d'avance, je peux me le permettre et c'est pour ça que je fais ce spell. Et du coup en plus, vu que c'est un sort avec le flash, ça me permet deux cantrips, vu que je le fais en réponse à lui qui tue ma bête. Donc voilà, on est très content. En plus, du coup, avec la carte que j'ai piochée qui transforme les stats d'une n'importe quelle créature en 4-4, j'ai les points en l'air. Là, j'ai juste à attaquer mon 4-4 et transformer mon 2-2 en 4-4. Et ça fait 2 4-4 qui volent. Et voilà, et on est bien. Ah, là, je veux lui montrer que j'en ai encore dans le pantalon. Donc, il essaye de buter. Et je lui dis non. Mais c'est plus parce que je viens de voir qu'il est all tap. Et que c'est bon, quoi. Genre. Donc là, une pacifine de bébête. Relou. Mais bon, de manière, j'ai les points avec ça. Et en plus, voilà, je pioche le phénix. Hein, donc, et voilà. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mal parler de ce 3-3? Parce que quand vous mettez phénix dessus, ah, je peux vous dire, ça parle chinois en face. Voilà. Donc une game vraiment qui montre comment ce deck de draft est trop bien. Malheureusement, petit teasing pour la vidéo d'après, ça c'était game 1, je l'ai gagné. Game 2, je rencontre un adversaire, ma foi, j'en dis pas plus, vous allez voir la game 2. Voilà, ciao, fan de vitesse, bientôt pour la troisième vidéo sur MTG Arena.